Bonsoir tout le monde et bienvenue ou bonjour, hein, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Pour ce petit jeu Asphalt 9 Légende, je vais continuer un petit peu mes parties. Donc là, nous sommes sur la Nintendo Switch. Alors, ce petit jeu de voiture qui, pour la Nintendo Switch, je trouve qu'il tourne superbement bien. J'ai fait des jeux de voiture. Arkwright est très beau aussi. Mais celui-là est assez sympa, c'est un free-to-play bien sûr. Alors bon, il faut jouer énormément pour débloquer des courses qui deviennent assez punitives, hein. Le jeu est magnifique. Le jeu est super sympa, c'est beau, c'est fluide. Enfin voilà, donc du coup, voilà, j'ai envie de faire ma petite partie ce soir là, donc là-dessus. Prenez soin de vous, impeccable, merci. Ah, j'ai récupéré des cartes. Donc les cartes, hein, le principe du jeu, c'est d'avoir un nombre de cartes précis pour pouvoir débloquer les véhicules. Alors, je vais pouvoir la débloquer. Voilà, donc c'est quand même super joli, super sympa. Hein. Donc je rappelle que là on est sur la Switch. Voilà. Donc j'ai pas encore joué beaucoup, mais voilà, on est sur 8 véhicules. Pour moi, c'est vrai que j'aime bien ma petite Nismo là. Je peux pas, je te cache pas qu'elle est. J'aime bien la tronche. Et surtout au niveau des jeux de voiture, j'avais fait un jeu. Alors je sais plus si c'était. Pas terrible, hein, je te le montrerai. Là j'ai fait un jeu de quad aussi, ATV, je sais pas. Pas terrible non plus, hein. On était pas au top. Donc bon. Bon, je récupère un petit peu mes récompenses. Mais en tout cas, celui-ci je le recommande. Vous pouvez aussi jouer sur Windows 10. Sans souci. Alors, vous voyez, ce qu'il disait, c'était payant, hein, je suis bien payante. Bon, après, il y a des petites récompenses gratuites tous les jours. Voilà, donc je récupère un petit peu tout. Et ce jeu, il est super fun, super addictif, c'est rapide, c'est efficace. Hein. Les maps sont super bien construites. Enfin, je trouve que vraiment, ce jeu, il est assez cool. Alors, d'accord, on avait ça. Et ça, donc, ok. Allez, je vais dans ma carrière. Alors, on était parti sur quoi? Tiens, 10 sur 15, classe D. Il me semble que je jouais le BM, hein, il me semble. Ah non, j'avais. Si, il me semble que je jouais bien le BM. Donc, c'est le 7. Ok. Allez, on va s'essayer ça. En 779, on va prendre le BM. Et on est go. Allez, on se lance. Donc voilà, c'est vraiment que ce jeu, j'ai vraiment pris plaisir. Hein. Vraiment, j'ai trouvé ce jeu mais addictif. Je vous dis addictif. Et pour la Switch, ça tourne, quoi. Ça tourne. Bon, il tourne sur des téléphones. Mais franchement, nickel. Pour moi, le meilleur jeu de voiture avec Drive. Sans hésiter. Hein. Et puis le son, les trucs, enfin les. Ah ouais, les musiques, elles sont exceptionnelles. Ça te met la pêche, ça te donne le feu, c'est vitaminé, c'est vitaminé. Non, franchement, ouais. Bon, par contre, voilà, après ça commence à être assez chaud, voilà, parce qu'il faut prendre ça. Voilà. C'est vrai qu'après le jeu commence à être assez chaud. Ah, je me suis éclaté tout seul. Merde. Ouais. C'est rare que ça m'arrive, mais c'est arrivé. Ah, c'est pas sûr, j'ai pas besoin de venir. On va essayer de remonter quand même tout ça. On va essayer de passer là où sont... Ah là là là, je prends des risques ce soir, je prends des risques. Je pense que je vais recommencer la course. Parce que là, j'ai pas trop de risques. Mais par contre, vous voyez, sur la Switch, ça tourne. C'est beau. En mode portable, le jeu est totalement magnifique. Voilà quoi, je pas se mentir. Je crois qu'au jeu c'était très drive limited ou un truc comme ça, là, c'est pas clair. Et je regardais les gens, ils disaient ouais bon ça fait le travail, c'est sympa, t'as plein de courses. C'est vrai. Mais le jeu est chiant. Désolé, je vais retrouver le titre de ce game 2, hein, 1 et 2. Bah, j'ai pas kiffé, la maniabilité est pas top. Je trouvais ça très chiant. Les maps se ressemblent énormément. Il y a un random qui est un polichon. Allez, hop, ça passe. Et on a réussi. Et voilà.
Donc voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est quand même, ça reste assez cool. Attendez, je regarde quelque chose. Parce que j'ai pas envie de lui dire des bêtises, parce que c'était pas ça du tout. Ça, c'était le jeu que j'avais. sur la 360, il y avait le temps. Non, attends, je vais te montrer. Alors, ça, c'est un jeu qui m'a écœuré. J'étais dégoûté parce que je croyais. J'ai regardé les thèmes, regardé les mecs, ils disaient ouais, bien, ben, c'est pas mal, c'est bien et tout. Parce que je cherchais un jeu sur Switch, hein, c'est une voiture, c'est assez rare. C'est Gear Club Unlimited, pardon. C'est de la daube. Hein. Et je le dis, enfin, c'est pas de la daube, là, j'utilise des mots assez forts. Mais quand j'ai entendu que c'est moyen bien, moi j'ai envie de te dire que c'est moyen pas bien. Prix qui coûte en plus, ça n'a pas abusé quoi. Mais bon. Bon, après c'est mon avis personnel, mais voilà, Asphalt, tu t'amuses quoi, moi c'est efficace. Donc bon, écoute, 150 000. On va tout récupérer. Voilà, qui est quand même assez sympa. Donc vraiment ce jeu gratuit, je le recommande. J'aime bien faire des petites sessions comme ça de temps en temps, jusqu'à temps que j'ai plus de plein dans le véhicule, mais là, c'est assez rare qu'il reste plus d'essence. Enfin, la récompense qui tombe, ça fait quand même plaisir. Surtout qu'on est au tout début, hein. Je suis pas très très loin là. Voilà. Et ça. 150 000, donc c'est bon. Alors, Himalaya, ça demande quoi, 792? Ah, ça commence à être un peu tendu. Tiens, on... Il faut combien pour celle-ci? Alors, attends, il faut regarder quand même. Oh, ça fait... Ah si. 6. Ok. Bon. On va rester sur le BM. C'est parti. Vous voyez, c'est le réservoir. Hein. 4 sur 6, hein, c'est ce que je vous montrais. Voilà. Bon, alors après, je vais essayer de upgrader un petit peu le véhicule aussi, parce que c'est l'objectif. Hein, qu'on puisse la faire la monter en puissance. Ce serait pas mal. Mais voilà, en tous les cas, hein, je vous le recommande vraiment. C'est très 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 bon ce petit jeu. Et écoutez le son. Voilà, là ça part. Regarde, c'est beau, au moins, t'as une distance d'affichage. Hein. C'est-à-dire que voilà, le jeu est optimisé. Et c'est super plaisant. Chercher un jeu de voiture arcade, tu te prends pas la tête. Parce que j'ai le truc limité là, c'est un peu arcade, un peu simul et sensation de plantain. Alors j'accorde qu'il y a une tolérance parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, mais maintenant il y en a pas mal. Et j'y reclub, je ne mets pas sur le podium. Hein. Loin de là. Bon, je trouve que c'est assez sympa ce petit format, donc là je vais proposer de plus en plus de trucs de Switch aussi, ce que j'adore cette console. Hein, franchement, c'est passé. J'adore cette console parce que tu vois, elle a ses limites et les jeux qui sont dessus sont totalement standards. Il y a pas mal de trucs de santé, un Ninja Lat là qui va arriver. Là j'ai envie de le mettre sur Splatoon 2 aussi. J'ai envie de là. Putain de merde, j'aurais dû partir sur le... Je connais pas la map, hein, je suis désolé. C'est pour ça qu'en fait, le petit bitume est un tremplin. Et voilà. Allez, hop, on va
Je joue avec les... Je prends des risques. Je joue mal, c'est totalement bien, je joue mal. On va aller chercher. On n'a pas loin d'arriver là. Alors, on donne tout. Ah, troisième, c'est mieux que... Peut-être réessayer quand même, hein. Pas terrible, hein. Ah, j'ai fait une sale course. J'avoue, j'ai fait une sale course. Bon, après, c'est passé. Voilà, c'est pas grave. Je vais faire un plein. Mais on va la refaire. Parce que bon, ça mérite quand même que je m'y attarde un petit peu. Parce qu'il faut au moins gagner la course en plus dans les paramètres de défi. Donc il faut quand même qu'on gagne la course, donc on va gagner cette course. Allez, voilà, je vais prendre moins de risques, on va faire ça sérieusement. Ah, il y a un petit peu de crénelage, mais tu vois... Je suis désolé, moi. Cette console, elle me fait vibrer. Enfin, je vois que sa carte graphique, elle a 1,3 teraflops. Que c'est des SD, bon après c'est des numériques, je sais pas ce que je dis. Hein. La place qu'elle prend, enfin écoute, hein, c'est une petite technologie quand même, on va pas se mentir. Hein. Bah, il y a une isolation, le jeu des 48 minutes sur PS4 et sur One. Alors je dirais même un peu sur PC, parce que sur PC on souffre aussi de traîner. Mais je ne tiens pas sur la Switch. Hein, donc, il y a des jeux comme Warframe dedans, enfin... Je suis en train de dépousser, hein. Je te cache pas que là... Je sais pas comment il faut tout à l'heure... Voilà... Hop, 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 alors lui j'ai pas fait exprès mais bon bah... C'est comme ça, hein. Enfin, on peut faire des 360 avec le véhicule aussi pour les... On va les faire sortir de la piste, donc un petit côté... Burnout, hein, tout à l'heure, totalement... Attends... Je vais revenir sur ma piste, hein, parce que je voulais voir tout à l'heure. Écoute ce son. Ah, ça, je vais le mettre à la fin. Ah, là, je vais passer juste là, je ne prends pas le caillou. Oh là là. Je vais un petit peu, c'est revenu. Je vais faire ça. C'est pas grave. On va être loin, je sais pas. On va faire du premier, sans exception. Je laisse apprécier le son là. Très sauvage. Très sauvage, le son de l'enfer. Allez, on fait la route du vent. Voilà, puis si ça vous intéresse, vous me le dites. Hein, on va... Alors, 811, attention, là, on part sur du 811. Vas-y, on va monter un peu le BM. Si je peux. Parce que je sais pas où j'en suis avec lui. Accélération, on pouvait ou pas? En obtention de plan. Ah, ah c'est ça, il va m'emmerder avec ça tout le temps. Bon, attends, je vais essayer de... on va regarder un petit peu ce que ça peut donner, ça, là. On va prendre ça. Carte rare garantie. Un niveau sport, on a pas la Nismo, impeccable. En 65. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoute, j'ai envie de te dire, on va se remettre un.
limite à ce niveau-là. On voit bien que je vais la laisser blanche comme ça. Hein. Attends, je vais juste. Attends. Regarde donc. Voilà. Toute jolie. Du coup. Alors, du coup. J'ai bien compris. J'ai bien compris, merci. Par contre, il faut pouvoir la monter. C'est un peu le problème. C'est un peu le souci. On va la monter à combien celle-là? Attends, je vois ça. Améliorer à l'étape 4, on a l'étape 5. Ouais. Ok. Putain, celle-là va avoir le feu. Donc on est pas mal, on est bien parti là. Dommage hein, on n'ira pas jusqu'au bout. Est-ce que c'est jouable ou pas? C'est la question ça. Ça va être la question. Putain, mon 4. Bon, je l'attends très bien quand même hein. Et tu sais quoi, je vais la tenter. Et on va bien voir comment ça va se passer. Voilà. Rang recommandé 811. Normalement, ça devrait passer. On peut toujours tenter, ça coûte rien. Hein, on se fait cette petite course-là et puis on verra. J'adorais, moi c'était la 350Z déjà. Sa petite sœur qui a eu des petites améliorations, la 370Z, elle avait du mal à s'imposer. Mais ça reste quand même une sacrée voiture, en tout cas de drift et de course de chez Nissan. Ils n'ont pas des belles bagnoles, mais ils ont réussi avec la Skyline et Nissan là, à faire des belles choses quand même. Ah, j'ai touché une hélice. Comme ça tourne. On va devoir passer par là. Moi je te l'ai jeté là. Hop là. Ah ils sont tendus hein. Ça on va se retrouver après. J'avoue qu'ils sont tendus. Je vais plus de justesse. Hein. On va pousser après. Hop. Ça c'est bon. Allez. C'est passé. Et calme. On est des champions. Voilà, comme ça on récupère ça en même temps. Super. Bon bah écoutez, c'est passé. Ah, on a débloqué l'événement spécial. Alors vas-y, montre-moi ça. L'événement spécial est prêt, ok. Alors ça consiste en quoi? La McLaren Senna et la personne... Vous avez ça... Écoute, je sais pas. On peut faire quoi? Allez, on va voir ce que ça donne.
On va faire cet événement-là avant de se quitter. Et puis vous me direz si vous voulez que je refasse des vidéos de ce petit jeu, qui est pour moi un jeu, une petite pépite, en free to play quand même, hein. Totalement gratuit. Pour préciser, c'est généreux, quand même assez généreux. Écoutez-moi ce son. Non, puis c'est beau, c'est fluide, enfin voilà, je veux dire, bien sûr c'est pas de la next gen, enfin bon, attends, voyons. Il y a des jeux à 40 boules, ils sont dégueulasses, hein. C'est bien tranché, il est dardard là le premier. Il est chaud. Sympa ce petit circuit là. Là j'ai pu manger le truc, là j'arrive pas à dire. Oh, je l'ai pris trop court. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. J'ai encore espoir. Elle déchire la map. Franchement, elle déchire. De fin là, c'est assez chaude, hein. Ouais, va se faire récupérer des petits trucs, c'est toujours sympa. Voilà, et on a quand même ben voilà, j'ai quand même eu des plans là, c'est quand même chouette, super bon. Fais voir par rapport à mon club où est-ce qu'on en est là. Statut du club. Ok. On fait partie du Puma 973 gang. Ok, ça marche. Bon bah voilà les amis, c'était pour vous présenter ce petit jeu qui est vraiment Asphalt 9, qui est un jeu qui est sur Windows 10, là c'était sur la Switch. J'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un jeu qui est super cool. Et puis voilà quoi. On va faire des petites parties comme ça dans notre petit quotidien, si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.